Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien comme d'habitude. Ben, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode pour que j'enchaîne directement, moi de mon côté. Hop, il y avait déjà une torche là, ok. Que j'enchaîne moi directement. Hop, il y a un coffre. Des bibliothèques. Ok, mais j'en fais quoi moi, des bibliothèques? Donc, oui, pardon, excusez-moi, j'enchaîne direct. Pour attaquer la nouvelle quest, il n'attaque pas lui ou quoi? Donc, là, c'est des diamants de dealers, hein, c'est des dealers de diamants. Donc, ok, mais qui donnent de l'émeraude. Ok, ça je prends par contre. Donc, oui, qu'il faut chercher comme objet de quête, qui est Find Chain Helmet, qui est retrouvé. Retrouver le casque en émail. Ouais, c'est ça. Ou en côte de maille, c'est ça. Ok, bah écoutez, bon, on commence directement. Apparemment, ceux-là, c'est des vindicateurs, pardon. Contrairement à la dernière fois, j'ai dit que c'était des vindicateurs. En fait, c'est des évocateurs, la dernière fois. Évocateurs parce qu'ils évoquent les Vex. Et voilà, donc aujourd'hui on attaque, et désolé pour la dernière fois, donc mais je suis resté pour la version 1.11 que j'ignorais complètement, en fait 1.11.2 avec laquelle je jouais, et maintenant je suis en 1.11, je suis resté en 1.11 d'ailleurs, donc voilà, tant pis, j'ai pas d'Optifine, mais bon, tant pis, je remettrai la 1.12. Par contre, ouais, là, les bibliothèques, mais j'ai l'impression que ça fait une flèche, en fait, les bibliothèques. Donc à quoi ça sert, je ne sais pas. Les bibliothèques, j'en ai pas besoin. Ça fait un peu des bouquins. On verra plus tard. Il nous demande de monter. Ok, voilà, je monte. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de particulier. Au-dessus, peut-être, non? Ah oui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? J'ai une autre pioche, oui. Ok, j'ai une autre pioche, ça marche. Hop. Ah oui, ok, ça marche. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Oui, bonjour. Il est là, le casque de maille. Merci. C'était rapide. C'était rapide. Bon, ben, cet épisode-là était très rapide, c'est bien. Donc, ça change un peu. Ça change un peu. Oui, ça change même beaucoup. Donc, voilà, on est content, on a fait l'épisode, c'est bon. Allez, je vous dis merci, à bientôt. On va attaquer l'autre épisode. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Donc, c'était rapide, oui, c'est vrai que le moindre qu'on puisse dire, c'était bien rapide. En torche pour éviter le spawn, bien sûr, parce que je sais pas que j'aime pas, mais j'aime pas, en fait. Donc, ok. Donc, on va continuer à farmer quand même un peu nos amis qui donnent les dealers de diamants qui donnent des émeraudes. Et on parle un peu de l'épisode. Tiens, la prochaine quête, elle s'appellera Find Melon Slice. Oui, ok, pourquoi pas. C'est du melon, on ira voir après, pas de souci. Oui, le bug, le fameux bug. Donc, je ne sais pas, donc j'ai regardé un peu partout, je me suis renseigné, et j'ai vu que certains tombaient sur le même problème. Et le créateur de la map, il a dit oui qu'il allait corriger ça dans les prochaines versions. Alors que moi, je suis censé avoir la dernière version. Donc, je n'ai pas compris. En fait, vraiment, je ne comprends pas. Oui, je vous confirme que j'ai vraiment la dernière version que j'ai téléchargée. Donc, ok, je mets comme ça pour éviter que ça. Allez, vous spawnez quand vous voulez. Et au moins, j'ai un double coffre là. Ça me sert. Ça me sert. Il n'aime pas quand je suis à côté pour. Il n'y aurait pas autre chose par hasard, non. Là, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Les bibliothèques, bon, je les laisse parce que j'en ai pas l'utilité vraiment. Je vais regarder ce qu'il y a là, au cas où. Non, il y a juste le double coffre. Ouais. Ils sont beaux les blocs de quartz. Franchement, c'est parmi mes blocs préférés, façon de parler. Façon de parler, mais c'est pas les meilleurs non plus. Ok, donc là ils veulent pas ou quoi? Ils veulent me faire le même bug qu'ils m'ont fait les évocateurs.
Oui, parlons d'évocateurs. Ouais, j'en ai tué pas mal, moi, la dernière fois. J'en ai tué, waouh, beaucoup, vraiment beaucoup. Et je me suis fait tuer beaucoup aussi. On va regarder dans les stats, créatures, évocateurs. J'en ai tué 67, ouais. Et je me suis fait tuer 7 fois par les évocateurs et les vex. J'en ai tué que 14. Ils m'ont tué 80 fois. Donc, voilà, j'étais à 91 morts. Là, je suis passé beaucoup, beaucoup plus. Bon, en attendant, parce que peut-être qu'ils n'aiment pas que je sois à côté. On va voir quelle nouvelle île on a eue. C'est quoi qu'il y a là-bas? Eh, j'ai pas de. Vous voyez qu'il y a une île là-bas, non? Ou c'est moi qui. Oh, ouais, j'ai l'impression que sur la droite, on a une île. En haut à gauche, pardon, on a une île. Mais c'est pas celle-là, non? Il y a un arbre et tout. Et j'ai pas de. Sur celle-là, non, j'ai pas d'Optifine. Ah, c'est pour ça que ça sert bien l'Optifine pour ça, en fait. Mais bon, en face, non, on le voit bien qu'il y a une île, mais c'est pas celle-là. Bref, on va aller voir c'est quoi comme île. Ouais, c'est bon, on la voit, elle est là. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, on va continuer tranquillement ici. À... Parce que l'épisode à peine 5 minutes, on a fini. Donc, voilà. Donc, on va essayer d'avancer l'autre, où je peux éventuellement. Mais pourquoi il spawn pas? Et pourtant, j'ai pas touché au mode succès. Non, c'est pas un succès. Option, je suis en normal, j'ai pas touché. J'ai pas touché, j'ai touché à aucun réglage en fait. Juste le truc qu'ils disent qu'il faut être en. Comme j'ai changé de version. Option graphique. Non, je suis à 16, c'est bon. Non, je suis à bon. Tout est ok. Mais je ne comprends pas. Je vais me mettre en pause un petit peu et je vais voir ce que. Et je vais voir. Donc peut-être éventuellement on va aller farmer un peu de fer ici. Parce que c'est vrai. Ou bien je vais commencer à faire mon truc là-bas, mon chemin. J'ai des planches? Non, j'en ai pas encore. J'en ai pas encore. En fait, non, j'ai l'impression qu'il y a rien qui spawn là. Même cela, il spawn pas. Si, si, oh, chaud, là, qu'est-ce que j'ai dit? Je disais quoi là? Je disais qu'il spawnait pas? Ouais. Allez, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Tu me suis? Ouais, c'est bien. Ok, toi tu peux pas monter les marches, moi si. Allez, viens. Je triche un peu, bien sûr. Hey. Ce n'est pas de la triche. Si les développeurs étaient bons, ils auraient mis, voilà, que. Il y a des meubles, je sais plus lesquels, qui peuvent monter les escaliers. Donc, je me rappelle plus lesquels. Donc voilà, non, 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 vous voyez que ça spawn, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Et pourtant, j'ai rien fait, je me suis même pas reco, quoi. Vous savez quoi? 2 secondes, je vais me remettre en 1-11-1, 1-11-2, pardon. Ouais, je vais me remettre en 1-11-2, pour voir au moins pour le petit fail. À tout de suite pour vous. Bon, je suis en 1-11-2 maintenant. Vous avez même la version d'Optifine, il me dit non, c'est pas pour la Optifine que tu as. À part que je vois pas le. On voit pas le truc. C'est peut-être la nuit seulement qu'on le voit. Ouais, on voit pas le. La baraque qui était là-bas. On la voit pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je resserrai la nuit pour voir si on la voit correctement ou pas. Non, là, on voit rien. C'est bizarre parce qu'en 1-11 tout court, on voyait une baraque là-bas, en fait, une île avec une maison, mais là on la voit pas. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon, c'est pas grave. Ok, là ça spawn toujours pas. Ok, et pourtant vous avez vu, ça a spawné. Ok, on vire les lampes. Ah oui, là il a spawné. Quoi, il y avait trop de lumière ou quoi? Allez, viens ici. Ok, redonne-moi. Ok. On va juste récupérer quelques émeraudes, même si ça sert pas à grand chose. Voilà, même ça sert pas à grand chose. Oui, find melon slice. Donc notre prochaine quête, au fait, slice. Au fait, j'avais un doute. Au fait, c'est les tranches. Au fait, donc il faut trouver des melons en tranches. Donc on va voir comment on va faire ça. Je sais pas, est-ce qu'on récupérerait pas des graines de pastèque qu'on fera pousser, je pense pas, parce que je pensais ça au début sur les betteraves, si vous vous rappelez, mais en fin de compte, non, c'était pas ça. Ah, j'aime bien parce que lui, quand il a apparu, il avait les bras pliés.
Et tout de suite, genre, ouais, moi j'ai rien, j'ai la preuve que j'ai rien fait. Il montre le diamant. Genre, je vends ça. Ouais, tu peux vendre ce que tu veux. Je te massacre. Bon, ok. Celle-là, elle m'a pas empoisonné, c'est cool. Ouais, j'ai mes trucs, j'ai ma helmet. Je vais le mettre peut-être. Bon, non. Si c'est, je vais retomber sur des trucs comme les vindicateurs, comme les évocateurs avec les Vex. Même n'importe quel stuff, je pense même en diam, il se fait exploser assez rapidement, quoi. Il le use très vite, au fait. Il le use très vite. Ok, bon, bah écoutez, le farm ici, ça, c'est bien, c'est moyen. Ce que je vais faire, je vais plutôt, on va un peu discuter, un peu de tout ou de rien, et je vais peut-être farmer du fer, parce que le fer, j'ai de quoi faire un stuff, mais pas une épée. Mais je pourrais faire une en diamant, parce que j'ai 4 diamants déjà. Je pourrais même faire une pioche et une table d'enchant. J'allais dire que j'ai pas de bouquins, mais si, j'ai des bouquins. Bien sûr, j'ai des bouquins. Ils sont là, les bouquins. Là, dans la bibliothèque. Ah oui, ça peut être sympa. Des bibliothèques, j'ai des bibliothèques. J'ai pratiquement 51. Pas pratiquement, j'ai 51 niveaux. Je peux faire des enchantes. Du lapis, oui, j'en ai. J'en ai parce qu'on l'a trouvé chez les évocateurs 4 blocs, d'ailleurs, que j'ai sur moi. Donc, on a tout pour faire. Et ça, c'est le gold qu'ils m'ont donné. Et c'est bizarre parce que le gold, je l'ai reçu. Je l'ai gardé. Il n'a pas dispo. Mais tout ce qui est. Je serais curieux de voir si on l'a pas, s'il n'a pas dispo le totem. Je vais aller voir le totem s'il a dispo ou pas. J'ai l'impression de ne pas taper. Ok. Oui, je vais aller voir si le diamant a dispo ou pas. Le diamant, le. Je vais y arriver. Le totem. Celui que j'ai eu avec en cheatant lent, c'est en faisant la requête dans le spawn. Dans le up. Bon, on va dire que c'est bon ici. Ouais, je suis bien curieux d'aller voir s'il est toujours là ou pas. Surtout que je suis pas loin. Hop. Ah ouais, je torche là. Pour torcher, je torche. Ok, allez, let's go. C'est par là. On va aller regarder ça tranquillement. Et ici, je pensais qu'ils allaient pas spawn, mais si, il m'a dit non, je suis là, ne t'embête pas. Et l'autre, il est par là, oui. Et tiens, d'ailleurs, il faut que je vire mon lit, parce que j'ai toujours mon spawn là-bas. Non, il est toujours là, donc ça va. Et là. Comme je suis revenu en 1-11-2, est-ce qu'il respawn? Oh, j'étais juste. On va voir s'il respawn à nouveau ou pas. On va aller voir ça. Est-ce que j'ai récupéré mes trucs? Non. Parce que le double coffre était plein. Donc, et là, est-ce qu'il respawn? On va attendre même pas ça. Ça spawn assez vite là. Allez, je vais mettre en pause moins de 5 minutes. Hop, donc un peu moins de 5 minutes. Donc en 1, 11, 2, donc il spawn vite, mais. Ouais, bon, mon spawn est toujours là. Mais c'est un bon moyen d'avoir des totems, comme vous avez vu. Donc c'est bon à prendre. Donc c'est. Voilà. Donc, c'est dommage qu'il soit buggé. Donc j'en ai encore un autre totem. Donc c'est parfait. Bon, ok, mais allez, c'est bon, faut-moi la paix, faut-moi la paix, faut-moi la paix. Allez, je suis mort encore deux fois par c'est cool. Allez, je fusionne juste mes épées. Donc, c'est un truc à farmer offline, bien sûr, pour éventuellement si on a un grand boss à faire après, quoi. Donc, on le fera tranquillement. Oui, ok, donc on a fait tout ce qu'il y a à faire. On a revérifié comme quoi que ça refonctionne le fait de passer en 1-11 tout court. À part les totems qui ont disparu, le reste est et le reste est là. Et hop, non, tiens, viens ici, toi. Allez, bon, foutez-moi la paix. Allez. Bon, cet épisode était rapide, comme on l'a dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va aller
C'était où déjà le truc? C'était. C'est là où il y a de l'eau qui coule. Ah, j'ai dit que j'allais arrêter l'eau de l'autre côté aussi. J'ai une source d'eau infinie. Oui, je peux me permettre. Je vais mettre même des blocs complètement dégueulasses, mais c'est pas grave. Là-bas aussi, il y a de l'eau qui coule à l'infini. Oh non, c'est bon, je le ferai plus tard. Je la ferai plus tard. À propos, ma production, elle fonctionne bien. Donc vous avez vu, ok. Ah, j'avais pas mis là. Ah bon, pourquoi? Et mes champignons, par contre, ils ont arrêté de pousser. Parce qu'avant, ils poussaient quand avant qu'il y ait ça, mais maintenant, ils poussent plus. Mais bon, c'est pas grave. On a d'autres trucs pour la bouffe. Donc maintenant. Oui, j'ai le cheval aussi. Je me suis dit peut-être que j'allais récupérer, mais j'ai toujours pas fait. C'est pas grave. Donc c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Et on va faire, comme d'habitude, des blocs bas pour éviter le spawn, bien sûr. On va avancer tranquillement. On arrive gentiment. On arrive gentiment. Et allez, tadam, tadam. Gentiment, gentiment. Et on y est presque. Non, encore. On est un peu loin même, mais on est à peu près à 3 blocs. 2 blocs. Ok, 2 blocs, c'est bon, on y est. Pardon. Ouh là là, j'aurais pas dû voir. C'est vrai que c'est pour l'épisode prochain, ça. C'est pour l'épisode prochain. Je vous mets en attente 2 secondes. Hop, j'éclaire et je reviens. Je torche et je reviens. Voilà, j'ai torché rapidement avec ces torches, c'est tout ce que j'ai. Non, parce qu'il y a la nuit, au fait, et la nuit, vous savez que ça spawn pas mal. Surtout que sûrement que je vais pas déco tout de suite. Je vais essayer de continuer à farm tranquillement. Qu'est-ce que je vais farm? Je vais essayer de farm un peu de fer. Au moins deux, vraiment, parce que là j'ai juste de quoi faire un stuff en sachant que j'ai ça, donc juste comme j'ai moins à farm, j'en aurai moins à farm. Ok, du fer, j'en ai à ne plus savoir quoi en faire. De l'or, pardon, j'en ai beaucoup. Ça c'est mon bloc de charbon. Bon, il faut que je fasse le tri. J'ai un diamant, on a dit, ok, c'est les diamants, je les ai mis là. Le fer, celui-là, il se stack pas, mais bon, c'est pas grave, je le mets là. L'émeraude, ok. C'est tout, c'est bon. Non, l'émeraude, je m'en fous, c'est les quêtes qui sont là. Donc, ça marche. Bah, écoutez, je vais arrêter l'épisode ici. Pour une fois qu'on finit assez vite suite au bug de la dernière du dernier épisode. Là, je vais me mettre tranquillement ici, je vais essayer de farm un petit peu et voilà, un peu de fer. Aussi de la chair pétrifiée, parce que vous savez que je m'en sers pas mal pour. Je mange en fait, oui, tout simplement, ça m'arrive, tout à fait. Bon, bah, je vous dis merci d'avoir regardé l'épisode, merci de le liker, de le faire partager. Merci de mettre quelques petits commentaires sympathiques, comme vous savez le faire, bien sûr. Et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous dis à l'épisode prochain. Ciao, 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 ciao. On va tuer celui-là d'abord. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens ici. Infecté de grand-père. Grand-père, c'est grand-père. Et juste pour rigoler, la tête qu'il porte. Au début, je pensais que c'était une tête de. Hop, il me donne encore un lingot. Et je pensais que c'était une tête de mouton. En fait, après, j'ai compris que c'était une tête de grand-papy, quoi. Donc, avec les cheveux blancs. Allez, à bientôt. Tchou tchou tchou.